Depuis 2013, Aix-en-Provence rentrait de Saint-Raphaël toujours la tête basse. Cette fois-ci, dans ce derby disputé au Palais des Sports Krakowski, les hommes de Jérôme Fernandez ont su bien rentrer dans la rencontre. Sur les premières possessions, la défense de Saint-Raph est beaucoup trop statique. Cela profite à Iñaki Pessina. Le pivot espagnol est trouvé parfaitement par ses partenaires. Il inscrit 3 de ses 4 buts en première mi-temps. En face, Saint-Raphaël met en place son jeu à l'image de cette passe sublime d'Adrien Dipanda. Alexander Lingard ne gâche pas l'offrande. Le Danois est Mister Perfect côté varois. 3 sur 3 pour lui dans ce match. L'autre homme fort à Saint-Raphaël, c'est le Biélorusse Vadim Gaïdushenko. Il est le meilleur marqueur de son équipe avec 5 réalisations. Par contre, gagnez vos duels, bordel! Vous voulez faire que des passes! 40 secondes période, les joueurs de Joël Da Silva sont moins tranchants et butent également sur un excellent Wesley Pardin. Le gardien provençal sort les arrêts qu'il faut au meilleur moment. Aix en profite et accélère par l'intermédiaire d'Emeric Mine. Le jeune et prometteur demi-centre termine meilleur marqueur du match avec 6 buts, dont 2 sur pénalty. Et même lorsqu'il en manque un, il trouve la faille derrière. Aix s'impose 28 à 24 sur le terrain de Saint-Raphaël. On fait extrêmement bien cette victoire. On savait que c'était un match très compliqué, on n'a jamais gagné ici. Moi, je trouve qu'on a très bien joué, on a, contrairement au dernier match, évité beaucoup de pertes de balles. On a joué juste, on était en période de doute. Et je crois qu'aujourd'hui, depuis 2 mois, les choses qu'on a changées un peu dans notre jeu, etc., qu'on avait du mal à mettre en place, ils ont très bien fonctionné ce soir. Après 2 matchs sans victoire, Aix réalise une excellente opération en confortant sa 6e place qualificative pour l'Europe. Saint-Raph, en revanche, n'avance pas en 2019, 4e défaite en 5 matchs.